Salut, salut, salut! Bon, faudra me dire si. Salut à tous, c'est un Si le jeu s'entend bien. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la Corpo l'estimait menacée dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux le harponnent pour mener des recherches scientifiques. Voilà, j'étais parti payer ma dette à notre copain Victor. On a annoncé récemment un nouveau programme de visa. Les personnes qui envisagent de s'y installer doivent tout d'abord trouver un sponsor dans les sociétés qui s'y trouvent. Ah non, les gens. Non, c'est pas ça. Et enfin, bon bah excusez-moi, hein. Restez calme. Ben voilà, enfin je veux dire. Ah non, c'était pas par là. Bon, c'est pas grave. Ouais, bah tu tutes, hein. Ah là là, je viens d'écraser des gens devant les flics. Ah la faute. Encore. Non mais barrez-vous les piétons en fait. On va se mettre la police, hein. Voilà. Ah putain, on les a pas encore semés, j'avais pas vu. Voilà. Allez, faites pas la tête. Prends la tête, bon, quand même. Aïe. Eh ouais, ils sont là. Bande de fragiles là. Le mur. Bisous Pierre. Oh pff, mon but pour l'instant il y a un peu de constite et d'intelligence. Voilà. Allez la police là. Non. On va pas les semer là. Voilà. Là, je m'en vais rembourser Victor.
Faut juste que j'arrête d'écraser des gens. C'est lequel mon... Oula. La voiture. Mon quartier préféré. Oh là là. C'est une bonne question. Moi, ce que je préfère, c'est me balader dans le désert, quoi. Et sinon, j'aime bien le gang des Mox, donc voilà, mais... Et toi, c'est quoi ton quartier préféré? J'ai raté le virage, là, non? Non. Ouh. Très bien. Ah oui! Oui, par contre, ouais. Et il est vraiment bien et ils ont respecté en mettant du créole et tout, ouais, ça c'était cool. Allez, barrez-vous! Et la connexion quand même, ça va? Malgré le... Bien que tu sois sur une île? J'ai enfin récolté assez d'édits pour tout rembourser. Garde-les juste au cas où. T'en as plus besoin que moi. Je veux pas tout emporter dans la tombe, Vic. Tiens. Et encore merci d'avoir fait tout ce boulot sur moi sans voir la couleur d'un ennemi. Ça dépend. Les amis sont là pour ça. J'ai pas les sous. Moi, je regardais. Je me disais que je pourrais remplacer mon chrome. Je pense pas avoir de. De trucs. Je voudrais un système. Ouais, c'est ça. Ah oui. Bah, j'espère que vous souffrez pas trop du chaud. Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu que votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Crache ce que tu sais. J'ai pas que ça à faire. Pas au téléphone. On va faire un marché face à face. Un marché? D'accord. Première sortie sur la Skyline, en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas. Voilà. Je t'ai déjà dit pourquoi. Ouais, c'est ça. Qui vous présente l'actualité dans le monde. Ah, dans le sens. Au moment de la mine d'uranium de Lunarinskaya qui s'est produit à proximité de Novosibirsk dans le sud de la Sibérie, a finalement connu un dénouement heureux. Comme vous vous en souvenez, 35 mineurs. Ah, mais non, mais. Barrez-vous les gens en fait. Oui, c'est avec elle que tu gagnes une arme sympa après avoir passé une nuit sympa. Je suis en train de rouler sur plein de gens parce que je regarde... Alors, je voulais pas sortir de la voiture. Re-rentrez, madame. Non, re-rentrez, madame. Faut que j'arrête de regarder l'écran de chat, des fois. Bon. Alors. Vraiment. On va changer de voiture parce que ça, elle va avoir un problème. Oula! Oui, ensuite, oui. Tiens, file-moi ça, toi. File-moi ça! Voilà!
non mais arrêtez de passer devant moi les touristes, les piétons quoi. Ah non, ça c'est, je viens de klaxonner à la place d'autre chose. C'est pas grave. Parce que j'essaie de me rappeler des touches péniblement des fois, oui. Je vais être par là. Hop là, attention à vous, monsieur. Ah non, c'était la bonne route, en fait. Oups. Ah, vraiment. Bon, ici, on doit pouvoir couper, voilà. J'avais oublié que la conduite, c'était la chienlit dans ce... Attention monsieur, ouais, évitez les voitures, c'est dangereux. Attends, mais où est-ce que je vais là? J'aurais pu tourner plus tôt, hein. Bon, on va voir. Ne klaxonnez pas, j'ai écrasé personne, enfin. Attends. Je me demande s'il n'y a pas un truc. Ouais, non, le tank antigrave, je peux pas trop en parler. T'avais fait toutes les courses de voiture Bonjour. Meredith Stout, c'est toi qui m'as appelé, je suppose. Ouais, c'est bien moi. Voilà. Ah merde, j'ai pas eu le temps de... Bon sang, Meredith! Toi, tu la fermes! Ça vient cette putain de machine! Tout est prêt. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Ah et moi j'ai fait la course. Est-ce que t'es seul? Ouais. Y'a que moi. Elle dit vrai. Bon bah Manu, je les ai tous faits. De toute façon, j'ai quasiment tout. Enfin, il me doit manquer deux ou trois succès. Maintenant, écoute bien cette petite merde d'Anthony. Ce type, première fois que je le vois. C'est vrai. Écoutez, le convoi, je sais où il est. Je peux vous aider. En échange, je demande juste un service. Je vous l'avais dit, bordel! Je vous l'avais dit, c'est pas moi la taupe, putain! Faites-le taire! Relâchez-moi avant que je... Oui, bah le confinement c'était bien, je pouvais suivre les cours sur un écran et jouer sur l'autre. Relâchez-la. Je veux savoir ce qu'elle a à dire. J'ai besoin d'un robot, un modèle Flathead. Les gars qui vous ont volé, c'est eux qui l'ont. Promettez de me laisser le robot et je vous dirai où ils sont. Tu as un plan les concernant? Je pourrais leur prendre par la force. Mais ils attendent un paiement, alors je pourrais m'arranger avec eux. Bien, partons sur la deuxième solution. Mais à une condition, tu paieras avec notre argent. Je sais pas du tout. Non. Vous savez quoi, Stout? Mon offre vient d'expirer. Dommage. Tu fais une grave erreur. Bon, je lui dis d'aller se faire cuire le cul.
crois que c'est une réponse que j'avais jamais fait. Escalier. Non, c'est pas ça que je veux. Je prends. C'est pas ça, hein. Pas ça le look, hein. Heureusement qu'on a une belle crête, hein. Alors les mitraillettes, la dernière fois j'ai quand même bien râlé dessus. GS. Non mais excusez-moi. J'ai ça, madame. J'ai ça. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Des nouvelles de T-Bug? Tu lui as parlé? Elle est au courant et elle est partante pour bosser avec Dex. Elle se prépare déjà. Ils se connaissent en fait. Ils bossaient ensemble avant que Dex disparaisse. Dex a déjà payé les Maelstromers pour le robot Corpo. Sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance? Irrolé. Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan? J'ai pas 10 000, hein, mon gars, donc ça se passera pas en douceur. C'est le Maelstrom. Avec les gangs, c'est pas compliqué. Les forts survivent, les faibles meurent. Et faut baiser l'autre avant qu'il te baise. Bon, on entre faire coucou à ces Borg. Attends une minute. Non. Non plus. Y'a pas. Sharkudoc. Non. Je connais plus. La ville, pas tous mes marqueurs. Voilà. Voilà. Un peu changé des trucs. Ah, zone hostile. Sous les pages, fais que passer. Ah, j'avais oublié, c'est fermé. Putain. Non, on n'a pas encore le double saut, chérie. Qu'est-ce
qui se passe quand on saute sur des barbelés. Voilà. Démonstration. J'aime bien faire des démonstrations efficaces. Ok. Ouais, je sais, tu m'attends. Mais si j'ai des trucs. Allez, viens là. Bah il était là. Hop là, on est garé. Pardon. Des bisous Pierre. Vous avez quoi ici? Je peux en prendre un meilleur. 6 000. Exactement ce que je sais pas trop ce que... Hop. On va aller. Allez. Au revoir. C'est un serpent, on a fait le bien de tu en silence, loin de madame, voilà notre connard.
Hop là. Et on retombe toujours sur ces roues. Important. Hop. Voilà. T'es pressé, Chica? D'accord, c'est toi qui vois. Bonjour. Je vous connais pas. On vient parler à Royce, de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Préparé. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Oui. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charogne. T'as entendu parler de... Hey, t'as trouvé quoi? Ouais, Tardex. Il est un peu spécial, d'après lui. Du matos de Militech, aucun doute. Des Borg psychos avec des millions d'édits de matos militaire. Je sens qu'on va s'éclater. Un camion de Militech. Putain, je croyais que ces cabronnes avaient juste piqué quelques caisses. Pas tout un SMI. Mucha smine, un stick. Une mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel. Mes préférés. Tout en finesse. On peut pas vous détruire là, non. T'inquiète, ils veulent juste nous faire flipper. On monte dans cet ascenseur que... Mieux parler aux gens, hein. On va rester coolos, tu vas voir. Bon, vous voulez quoi? On vient voir Royce. On a une transaction à boucler. Monsieur Royce, il est occupé, là. Vous allez traiter avec moi. Vous avez un robot. Un modèle MT0D12. Un flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il le faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Le canapé, posez vos queues. Ah, le sens de l'accueil. C'est important, hein. Ça vaut aussi pour toi, vieux con. Je vais rester debout. T'as du mal à picher, connard! Pose ton putain de pied sur ce putain de canapé! Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te colle une patte entre... Assis-toi. Ça va mal finir, tout ça. Fais chier. Bon. Très bien. Allez. On se détend. Prends une dose. Que tu prends? Tu skiffes aussi pur que du lait en poudre. Du lien noir? Pas facile de s'en procurer.
Faut avoir un bon fournisseur. Ça fait quoi? Ça booste les endorphines et l'adrénaline, et tu sens plus la douleur. Le trip est si intense qu'on frôle la psychose. Pendant les guerres des corpos, ces salopards enfilaient à leur légion. Les cyberpsychos comme ça, comme des bonbons. Ça atténue la brûlure de vaporiser, sans réduire les effets. Ouais. Allez, prends-en une bouffée. Ah oui, allons-y. Je sais pas ce qu'on risque. Ça va mieux. Maintenant, on peut causer. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT0-D12. Militech va pas essayer de le récupérer? Ils peuvent toujours essayer, ces enculés. On a effacé le numéro de série et fait sauter le verrouillage d'accès avec notre logiciel. Il sera à toi, pour de bon. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Bladage avec camouflage thermo, optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Revel. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et regardez ça! Ils ont intégré complète, alors qu'on leur a nié ce maître à escalader un mur, à suspendre au plafond. La gerbe assurée. Alors vous en dites quoi? On s'en contentera. Eh! Hey. Mais c'est Geoffrey la difficile en plus. On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick, il a été payé. Demandez-les à Brick, c'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot. Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas? Hein? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le fais. Je vous annonce tout de suite, ça va pas bien, ça va pas se mettre. Vu que t'as déjà reçu les édits à l'avance, tu pourrais nous faire une réduc. C'est la moindre des choses. Une réduc? En fait, j'y pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie. Pour qui tu bosses? Dexter de Sean, si tu veux le savoir. Dexter de Sean. Le gros lard qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Voilà. T'es morte. Tu m'entends? Arrange-les, mais t'en retiens pas. Bah, je me retiens pas, mais. Merde. On est enfermé. Prends le matos. Le robot et les clés de contrôle. Vite. Oui, 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 mais me stresse pas là. C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse. Attendez. Hein? Merde, c'était technique. Je vaut mieux pas traîner. Pas traîner, mais moi je loot, mec. Hein. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. La négociation, faut laisser ça au grand. C'est une chaîne de production. Puis je croyais que t'aimais la barbac. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Pour monter, je sais plus. Voilà. Super. Il avance, on y va.
Merde. On va se faire repérer. Ok, la porte est très solide. Go, go, go. Joli. Alors, où tu te planques? Ah, oh mince. Oh, j'ai lancé une grenade. Ah, oh, je me suis encore trompé, hein. Faites pas ça. Voilà. Bah, je vais essayer de te faire ça. Tiens. Le détonateur est armé. Bah, je vais te chercher un moyen de sauver Brick. Retrouver la clé. Hey, des caméras. Je cherche la clé. Là. Ça t'ouvre pas la porte d'avoir des accidents? Non. Juste que je me rappelle, ça fait quelques temps. Du soin. J'aimerais bien le libérer, lui, il a rien fait de mal. Allez voir en bas. Un cendrier, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Stooky. Ok, ça va être ici, c'est gentil le jeu. Non, pas de clé. Je suis con, hein. J'ai pas pensé à... Non, on a un code. Et peut-être dans les mails que je regarde. Admirer la maîtrise de je tourne en rond. Journal.
dans les... Là, il a failli se faire taper le pauvre. Jackie, on a tué tout le monde, il risque pas trop de nous voir. Je dois pouvoir le désactiver avec mes trucs. C'est ça qui me chafouille. Ah ben voilà, désactivé. J'arrivais pas à le faire tout à l'heure. On a un chien. Allez, l'intello. Ça m'a paru une éternité. Oui, ben moi aussi, Régis. Hein. C'est un peu à cause de toi qu'on est là. On est venu chercher de la tech achetée par Dex. Il vous a dit de me libérer ? Non, juste de récupérer le robot. Du Dex tout craché. J'ai comme l'impression qu'on t'a sauvé la peau. Je crois que tu nous dois un service, hombre. Eh oh, doucement, d'accord ? Je vous revaudrai ça, mais là, j'ai autre chose à foutre. S'il a pas une tarte de porte-bonheur, celui-là. Vous pourrez compter sur moi. Allez. T'es sûr que tu vas t'en sortir ? Alors t'inquiète pas pour moi. Oh, mais on s'en va. Pas de soucis, hein. T'inquiète pas. Moi, tant que vous me firez des chapeaux moches... Non, non, mais c'est hors de question que j'ai un bandana, là. Je m'y refuse. Je suis pas venu là pour avoir l'air con. Putain, on n'a pas de nom. Classe. Non mais c'est pas si pire, mais c'est pas possible. T'as vu la belle crête que... Attends, il y a des gens. Il y a des gens. Bonjour. En fait, je suis dans mes pensées. Allez! Et alors? Se calme de suite. À la grenade! Voilà. Oh là là, ils sont très désagréables ces gens. Ah, j'ai fait des erreurs de débutant. Bah oui, c'est bien plus que je m'étais gouré. Pas grave. Comment tout le monde me parle mal dans le jeu? Waouh, 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 ça gratte! Eh oh, Spider-Man, là tu redescends.
Moi, je trouve ces gens terriblement tendus, quoi. Excusez-moi, je regarde s'il y a du loup. La merde. Va leur aller le vendre tout ça au bout d'un moment. Alors, je sais qu'on est plus très loin. Ça gratouille. On arrête de jouer. Mais reste pas devant moi. Mais voilà. Coucou Rakos. Voilà. Merde. Même ces gens là. Ah, je proteste parce que je commence à avoir trop de soleil derrière moi, donc ils m'aident pas ces gens. Vous êtes beaucoup. Ah, y'en a un qui m'a mis une brûlure. Ah. Ah pardon, ils veulent que je sorte par la sortie, c'est pas le moment de courir partout. Ça c'est juste rien. C'est déjà. Allez, ciao les nazes. On est plus très loin, Chica. La sortie est tout près. D'accord qu'on est plus très loin, mais. Voilà, c'est toi. Tu me gênes pour me cacher, mon pote. Ah, on a plus assez de mémoire. On se cache pas comme ça. Ah
Allez, fais dodo. Merci. Bon, ça, il en reste encore. Bon, ben, je vais venir te déloger. Voilà. Hein, des bisous. Oh, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Je voulais faire cette mission-là. Je vais peut-être migrer après sur Ark avec si vous. On entend ces engins de Militech bourdonner dans tous les coins. On pourra parler une fois dehors. C'est la connasse de Militech. Tu pensais ne jamais me revoir, hein? Ah, j'espérais, j'avoue. T'es bien trop naïve. Et maintenant? Je devrais peut-être m'intéresser à ce que vous avez fait ici. On n'a rien fait. Mais ça ira pour aujourd'hui. Royce a eu ce qu'il méritait, et c'était l'objectif. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Gardez le Flathead. Et disons qu'on est quitte. Bouclez-moi le périmètre. Sécurisez la zone. Il est temps d'y aller, Mamita. Putain, V. J'étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau. Eh si. Ça y est, je crois qu'on en a fini. Ah, super. J'ai mon compte pour aujourd'hui. Tu peux me croire. Hey, préviens Dex qu'on a son jouet. Ce gros lard devrait faire péter une bouteille après ce qu'on a fait pour lui. Ah, il est gros, eh. Comment ça se présente, Miss V? J'ai le robot. Ça s'est bien passé, tu n'as pas eu d'ennui. Et avec Militech, ça a donné quoi? Pas d'ennui? Bien sûr que si. Tu crois s'en foutait complet de votre accord avec Brick. Comment tu l'as amadoué alors? Tu t'es servi de la corpo? J'ai rencontré Stout. Et? Ça a pas trop accroché entre nous. Pauvre Meredith. Elle va sûrement payer les pots cassés après votre rendez-vous raté. Pas mon problème. Hein. Comment tu as convaincu Royce de te lâcher le Flathead? Ah, je lui ai éclaté la gueule. La manière forte. Y'a que ça qui marche à tous les coups. Tu as du cran, Miss V. Tout est prêt. On est bon. Et maintenant? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce. On poursuivra cette discussion à l'Afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok, j'y serai en moins de deux. Au revoir, Miss V. Personne. Je sais pas encore ce que je... Chafouine un peu. Je vais pas crafter si je monte pas. Et... Je sais pas. Ah bah non mais... Oh là là... Mais vous mettez des obstacles! Oups! Bah là aussi il y avait un obstacle, c'est une moto! Là votre ami, qui c'est qui gagne? C'est moi! On a une mission. Hein? Faire dans le coin. Ah, ça doit être là-haut. Personne n'a dessoudé. Dommage. Non,
parlez-moi mieux, les gens. Ah, j'avais oublié le voyage rapide. Franchement, pourquoi faire du voyage rapide quand on peut conduire ? Alors, c'est bien gentil. Je nous emmène à l'afterlife et j'arrêterai après l'afterlife. Ah oui, alors je nous emmène à l'afterlife à un moment. Ah non, là ça... Ouais, non, là... Ouais. Eh ben si, oula. Allez, on va se garer là, c'est bon. Chica. Alors, comment va Señora Wells? Bah, tu sais, elle s'inquiète pour moi. Blablabla. Bla, bla. Elle peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une benne, comme presque tous les gars de la famille Wells. J'en peux plus de tout ça. Plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents. Mais demain, ce sera l'histoire ancienne. Afterlife, nous voilà. On a réussi. On est dans la cour des grands. Ouais, on est au sommet, Chum. Et tu veux que je te dise? C'est plus que mérité, Chica. Prête à prendre une claque? Allez! C'était une morgue ici avant. C'est dingue, non? Sérieusement, Jackie? Quoi? C'est moi qui te l'ai dit. Ah ouais? Oh bah merde. Ah, ça devait être il y a longtemps. Vous êtes qui, les deux clowns? On est des amis de Dexter de Sean. Il nous attend. Hé, hey, Dex. J'ai deux tontins qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Cherche la bagarre, ouais. la bagarre. Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viejo. Salut, Claire. Assieds-toi, je suis à toi dans une seconde. Cœur de Night City. Moi, j'aime bien Claire. C'est lui qui va, juste là. Tu l'entends? T'imagines un peu? Susan Forrest, Boa Boa, peut-être même Morgan Blackhand. On dirait que c'est notre tour. Hey, tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Pff, Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers? Vas-y, commande. Deux tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. Deux Johnny Silverhand, c'est parti. C'est ça, Chica. Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. L'afterlife existe depuis combien de temps? 50 ans? En plus, mais je saurais pas dire combien.
Ça doit être le plus vieux club de Night City. Et le plus respecté. Oubliez pas ça. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. J'imagine que c'est pas si cher payé pour entrer dans l'histoire. Mais faut d'abord mener une vie de légende, hein. La mort, c'est juste le bouquet final. À Night City. Et à l'Afterlife. Ouais, au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire Marcette? Bien sûr. Un shot de vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les dernières recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Monsieur Deschaune va vous recevoir. Comment tu sais ça? Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment. Bon bah je vous dis merde. Merci. Par là. Putain, Zoom, t'es massif. Tu fais du sport? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo ou Ninjutsu? Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre? Ouais. Ouais. Entrez là. Je t'ai pinché de 10 points. Non mais on peut pas passer tous les deux, j'ai compris, ça va. Excelsior, c'est ça. En cache comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens, mais c'est Miss V. Toute la famille au grand complet. Ha ! Enfin ! Une première dans l'espace réel. Et le Flathead ? Voyons voir ce petit gars. Bon, allez. Posez vos culs confortablement. Chouette cabine ? Elle est insonorisée ? Jackie. Allons, allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à Miss V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du Konpeki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Vous connaissez la cible alors? Yorinobu Arasaka. Le fils de l'empereur et l'héritier. Un homme dont le nom en vaut des millions, mais sans un brin de talent. Ah, ça c'est en vrai. Grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou il y avait autre chose? Cette Parker, elle envoie des messages contradictoires. Je sais pas trop quoi penser. Un soir, elle boit du champ Paradise avec Yorinobu. Le lendemain, elle discute. Ça m'a frappé aussi. Si tu ajoutes 2 et 2 et que ça fait 5, ça veut clairement dire qu'il te manque une partie de l'équation. Ben merci, c'est pour mon ça gars. Que vous avez un fixeur. Si quelqu'un essaie de vous baiser, il aura d'abord affaire aux 150 kilos de Dex Deschaune. Autre chose? Il y avait... Une autre offre. Ouais, du genre où on dégage l'intermédiaire pour partager équitablement 50-50. Quoi? Dégager l'intermédiaire. Les clients, il faut tout leur apprendre, hein. J'apprécie que tu me mettes au courant. C'est important dans tout partenariat pour qu'il soit durable et profitable. Votre gratitude, elle rapporte rien. Et Evelyn nous a offert un paquet dédié. V marque un point à la Dex. Ne vous en faites pas. Je vous assure que nous y viendrons. Et si on parlait plutôt du plan? Vous avez prévu quoi, Dex?
ça. Ok, alors c'est parti. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Une vraie balade. Développe, je voudrais en savoir plus. Une de la main vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. Parlez-nous de nos nouvelles identités. Ce sera quoi notre couverture? Toi, tu es Ramon Victorino. Et toi, Anna Conwell. Ramon? Et on dit qu'on est là pour quoi? Pour affaire. Une vente d'armes à une corpo. Si on vous demande, vous venez pour une réunion bidon avec le représentant de la défense d'Arasaka, Hajime Taki. Autre chose? Je crois que j'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment? Bien, on peut voir ça maintenant. Les nouveaux ont toujours droit à 30%. Mais je peux faire une exception dans votre cas. Je veux bien monter jusqu'à 40 pour te remercier de ton honnêteté, V. Ça fait plaisir, Dex. Boum, jackpot. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. Pas d'armes. J'ai des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chino. Merci, Bug. Bon, je veux pas faire le rapia, hein. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits? Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum deux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On se tourne les pouces? Vous attendez, vous faites profil bas, Pascal. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivre mort. Votre carrosse vous attend dehors. Bon, je décolle aussi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ça fait longtemps que vous vous... Pourquoi? Ah, tu sais... Il y a plusieurs sons de cloche. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. C'est de Marc Aurèle, je crois. Dex et toi, vous êtes deux philosophes. Et trop casti-bug. Étonnant que vous soyez potes. Il a dit que le plan y était bon. Pour moi. Allez, au boulot. Alors t'es prête? On y va? Avant, j'ai un truc à régler. Sin problemas. On se retrouve près de la Delamain. Et on va s'arrêter là. Donc comme vous en doutez, la prochaine étape ce sera... Oublie pas de mettre ton costume. Oui, ce sera d'aller faire le casse du siècle. Avec un plan sans accroc qui marche d'enfer. Nous ne voyons pas ce qui peut mal se passer. Voilà. Et bonne fin de journée à tous. Cuisez bien. Puis à très bientôt.